matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon samedi. Un samedi qui commence sous la pluie avec un temps qui est tout couvert. Le point positif, c'est qu'il fait déjà 13 degrés ce matin. Dans l'eau, 16 degrés. La marée est actuellement en train de finir de monter. Le plein haut est à 7h55 avec des petits coefficients. 2,60 sur cette fin du montant. Le vent est au nord, plein nord. 3 beauforts. Plan d'eau bien clapot. Pas de moutons, mais on n'est pas loin. Mais on a une petite houle longue de 10 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, qui est toute tordue, pas jolie, multipique, sectionnée, agitée. Mal réveillée ce matin, délivrant 50 cm en déferlement régulier, 70 cm aux séries. De longues lignes avec plein de pics dans les lignes, c'est moche, c'est tordu, c'est médiocre, ça fait pas envie. Personne à l'eau, personne qui check, personne sur les parkings. Évolution pour le reste de la journée, un train de houle qui va grossir lentement mais sûrement, avec un vent qui va se renforcer à la mi-journée avant de se calmer un petit peu en soirée. Mais ça va rester agité toute la journée. La bouée Tartachon est à la hausse, passant de 1,30 m et 4 secondes à minuit à 1,60 m et 100 secondes maintenant. Nous aurons à 13h50 à 80 cm, ou ouest-nord-ouest à nord-ouest, 10 secondes de période avec un vent qui passe au nord-nord-ouest, qui se lève dans les 3 à 4 beauforts. Et à 17h, nous serons dans du 80 cm à 1 m, sur une houle ouest-nord-ouest à nord-ouest. 10 secondes de période, vent de nord-nord-ouest faiblissant dans les 3 beauforts, pas trop, ça va rester agité, ça sera un peu mieux cet après-midi, pas foufou, à surveiller l'évolution. Prochain point à 8h.